Salut à tous, c'est Néo. Donc là, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. On se retrouve pour un tout nouveau glitch en solo pour pouvoir être en God Mode. En tout cas, avant ça, un grand merci à vous tous pour les 23 500 abonnés, c'est juste énorme. Go Rush, du coup, les 23 600 abonnés. Donc, pour tous ceux qui n'ont pas vu mon post que j'ai fait hier, en gros, ma PS4 a été bannie pendant un mois. Donc, en gros, pendant un mois, je peux pas aller en ligne sur n'importe quel jeu, sur n'importe quel compte. En gros, je suis bloqué en mode histoire sur tous les jeux. Donc, je suis vraiment dans la merde pendant un mois. Donc, voilà. Donc, là, j'essaie de me débrouiller pour faire quelques vidéos sur ma chaîne YouTube. Mais ça va vraiment être compliqué. Donc là, en tout cas, un grand merci à Aquatex qui m'a passé son gameplay pour le God Mode. Ça fait vraiment extrêmement plaisir. Donc un grand merci à Aquatex. Là, vous allez retrouver sa chaîne qui est en description. Donc n'hésitez pas en tout cas à vous abonner à sa chaîne YouTube. Il a actuellement 1 500 abonnés, il me semble. Donc go vous abonner à sa chaîne YouTube qui s'appelle Aquatex. Donc voilà, ça lui ferait extrêmement plaisir. Go lui faire passer les 1 600 abonnés. Donc pour pouvoir commencer donc ce petit glitch, vous devrez vous rendre au niveau de la Maze Bank Arena. Vous devrez être en session publique avec un mode de visée libre ou mode de visée assistée, peu importe. Les deux modes de visée marcheront. Vous devrez vous rendre au niveau des guichets de la Maze Bank Arena pour pouvoir acheter vos billets pour la Maze Bank Arena. Vous devez faire aussi du coup le bouton start en ligne. On va dans options. Donc là on met le curseur sur rejoindre le mode suivant depuis la loge. Et du coup on met rejoindre. D'accord? Après on descend en bas. On met spectateur. On met avec. Après du coup on met le type de salon. On met le type de salon en privé. Donc pas en public mais on met bien en privé. Après on descend. On met du coup continuer à être l'hôte après le salon de vote pour la prochaine activité. Ça, on met avec. D'accord? Après, on fait le pavé tactile. Donc, on va dans masquer icône. Donc là, on met activité, on met masquer. D'accord? Après, du coup, on va dans événement, on met masquer. Après, on va dans autre et on met masquer. On met tout en masqué. Ok? Donc, une fois après tout ceci préparé, c'est parti, let's go! Allez hop! Donc là, pour commencer le petit glitch, on va ouvrir son téléphone, on va dans contact. Là, vous allez appeler soit Siméon, soit Ron, soit Martin ou soit Gérald, peu importe. Les quatre marcheront. Moi, perso, je vais appeler Martin, ok? Et du coup, après, on fait demande d'activité. Donc là, après, vous allez vous placer au niveau du guichet, donc au niveau du petit carré, comme moi, d'accord? Là, vous allez attendre que vous recevez l'activité sur votre téléphone. Donc dès que vous la recevez, vous allez ouvrir votre téléphone. On va dans liste d'activités et du coup, on ouvre l'activité en grand, comme moi. Après, du coup, on lance directement l'activité. Donc après, vous allez spawn directement dans les paramètres de l'activité. Après, on fait le bouton rond pour quitter et on reste sur le message d'alerte. Donc là, vous allez faire une petite manipulation. Écoutez-moi bien attentivement. Donc, dès que vous allez faire le bouton croix pour confirmer le message, vous allez spammer votre flèche de droite, ok? Donc, dès qu'on voit l'écran noir, on arrête de spammer la flèche de droite, ok? Dès qu'on voit après le message en haut à gauche, on fait une fois le bouton croix, ok? Donc, je répète, dès qu'on confirme le message d'alerte, on spamme la flèche de droite. Dès qu'on voit l'écran noir, on arrête de spammer. Et dès qu'on voit le petit message en haut à gauche, du coup, on fait le bouton croix et vous serez bien en God Mode. Donc, c'est parti, là, on le fait ensemble. On fait le bouton croix pour confirmer le message. Après, on spamme la flèche de droite. Là, écran noir, on arrête de spammer. Et du coup, dès qu'on voit le petit message en haut à gauche, on fait une fois le bouton croix. Et du coup, boum, vous serez bien en God Mode. Donc, c'est juste magnifique. En tout cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner.
Gorosh, du coup, les 23 600 abonnés. Un grand merci de nouveau à Aquatex. Du coup, go vous abonner à la chaîne de Aquatex qui sera en description. En tout cas, moi, je vous laisse sur ce gameplay, sur ces images. C'était Néo. Allez, ciao! You